Yo l'équipe, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour tester la nouvelle axo Keep'em, les gars. Nouvelle stack'em, nouvelle drop'em, mais avec un potentiel, franchement, je trouve réduit. On va voir ça dans la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est parti tout de suite pour la tester. Let's go! On a 3 800 € de start et on va essayer de voir si on peut avoir du bénéfice sur cette vidéo. Putain, je suis désolé, j'ai le hockey, les gars. Quelle dinguerie. C'est pas Rétrig 2? Ah putain, je pensais 2, c'était au moins Rétrig, mais non. Ok, 4 Guedem. Bon bah voilà. Le principe c'est quoi? C'est d'avoir des billets avec des Guedem pour, pour pouvoir les récolter quoi, tout simplement. Donc même principe que Cash Crew. On l'a pas fait sur, sur la chaîne la Cash Crew les gars, mais je pense que vous connaissez la plupart. Franchement bon, voilà, bof hein. On va pas se mentir. Sur le potentiel c'est d'avoir des billets fois 100, fois 1000. Donc autant dire potentiel très très réduit malheureusement. Voilà, on a que des petits billets malheureusement. Ok, et ok, x28 pour ce spin. Ça risque d'être très long aussi parce que, comme vous avez pu le voir, là il y a un système de cœur. Si il y a un guedem ou un billet au milieu, derrière on a 3 cœurs, donc 3 respins pour pouvoir potentiellement les attraper. Donc voilà, vous voyez, comme ça. Donc ça n'utilise pas le spin, hein. On est toujours sur le même spin, les gars, il nous reste toujours 4 spins. Et on peut le récolter, quoi, si on a de la chance d'avoir un guedem. Mais bon, du coup, on est plus payé par les connexions que... Oh, dommage, que par les guedem. Allez, fois 1000 au milieu. Des cœurs, ouais, super. Allez, on peut avoir un billet ou... Non, ok, pas un seul billet, dommage. Voilà, total win, 136 €. Bon, ça va, elle nous a pas ouvert en deux. Mais voilà, où est le potentiel, les gars? Je ne sais pas, je ne le sais pas, je vous le demande. Franchement, je suis déçu, hein. Je m'attendais... Avant, je voyais le design et tout, je me suis dit putain, pète sa mère, trop stylé le design, en plus comme stack'em, comme drop'em, on a surkiffé et tout. Et finalement non. Alors le bounty, qu'est-ce qui change? Le bounty, tout simplement, les billets restent. Les billets restent, tout simplement. Voilà, donc là on va les récolter, donc c'est pas mal en vrai. On est presque remboursé. Mais voilà, donc comme ça, si vous avez des billets sur le terrain, vous êtes sûr... Limite presque sûr de les récolter quoi derrière. Si vous avez un guedem. Donc là guedem ce serait pas mal. Très clairement. On prendrait x120 en plus. Parfait. Impeccable. Dernier spin. Et on est payé du coup. On est payé combien? 400. 500 balles. Ok, pas mal. Pas mal. Et du coup limite je préfère le bonus de gauche quoi. Le bonus de gauche tu peux avoir des persistantes quoi on peut dire. Voyons voir le mettre quelques spins. En feature comme ça. On va lui en mettre bon, peut-être pas 25. On va lui en mettre 15, 10, 15. Et derrière, on testera la feature aussi qui est. Toute simple en fait. Vous avez un guedem et un billet obligatoire sur le spin. Donc après, ça peut être un billet de merde. Ils peuvent tomber au milieu, donc ça peut respin. Mais ce n'est pas. Enfin, pareil, le potentiel, il vous faut vraiment un billet x1000 quoi qui tombe. Ok, bon, on va s'arrêter là. On n'a même pas eu un bait. On va voir la petite feature du coup. À 80 €. Voilà, donc là, x5. Faut faire x40 pour être remboursé minimum, les gars. Donc, faut avoir x40 sur les billets, là. On en x8. x11. Et un x14. Voilà. Ah, il faut d'autres billets, là. D'autres billets, ce serait pas mal. Ah, un autre guedem, malheureusement. Ça ne suffira pas. La moitié de récupérer. Allez, s'il te plaît. Double guedem, mais ouais. Elles sont pas persistantes, malheureusement. Et en plus, sur un x3. Allez, guedem au milieu. Et là, petit billet x1000 qui tombe. Possible ou... Non. Ok. 2. Dommage. Bon, bah écoutez, on va se racheter un bonus dessus. À 400 balles à gauche. Et après, on ira voir une nouvelle sortie, les gars. Une nouvelle grosse sortie qui est arrivée. Parce que bon, Keep'em, je me voyais pas faire une vidéo complète dessus, très clairement, les gars. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le potentiel est très très restreint. Bon, à moins bien évidemment, là, de toucher un billet x1000 qui tombe et qu'on le récolte. Mais voilà, hein, on s'entend, je pense. On est tous d'accord là-dessus. Après, le design est sympa. Vraiment, tout est sympa, les animations, tout ça. Mais voilà, le potentiel, hein, comme d'hab. Nous, on joue des machines à sous pour le potentiel, les gars, pour que ça explose, pour qu'il y ait des belles wins, pour qu'il y ait des choses impressionnantes qui se passent. Et là, malheureusement, bon, je vois mal comment une chose impressionnante peut tomber.
Allez, fais-moi fermer ma bouche là, ma grosse bouche là. Fais-moi la fermer et mets un billet fois 5000 là. Même si ça n'existe pas. Oh, il n'y a même pas eu un get them, dommage. Allez, fois 1, youpi. Youpi. Ok, fois 26, pas mal. Ok, il nous reste 3 spins, 118 euros. On l'a acheté 400 euros. Un petit dernier truc ou... Ok, on a re 3 spins. Un petit dernier gros bifton. Fois 100. Dommage. Ok. C'est pas une machine que je jouerai souvent, ça c'est sûr. On rachète à 400 à droite. Et on va aller sur la deuxième nouvelle sortie, les gars. La deuxième nouvelle grosse sortie. Qui est franchement, franchement bien. Oh, le x500. Attends. On va le récolter du coup. Va bien y avoir un qui pème. Non, me dis pas, il va y avoir que des connexions. S'il te plaît. Un grabem. One time. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vous le jure, les gars, elle le récolte pas. Je vous le jure que je ne retourne plus jamais sur la machine. Ok, merci. Quand même. Ok, x600. Très bien. Eh ben, on repart avec du bénéfice sur la machine. Incroyable. Donc voilà, seul potentiel, les gars. Avoir un billet x500 ou un billet x1000. Putain, si on avait deux godem, les gars, on était trop bien. 1300 euros. Très, très bien. Et on passe du coup à la machine suivante. Candy Blitz Bomb. Alors, vous avez sûrement connu Candy Blitz normal, les gars. Mais Candy Blitz Bomb, c'est une toute autre paire de manches. Vous allez le voir. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup le potentiel. On va s'envoyer directement un bonus à 420. Hein. Allez, bah les couilles. Hein. Bonne chance. Vous allez voir, franchement, elle est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai déjà eu des bombes fois 100. Adèle a déjà eu une bombe fois 500. Donc, c'est pour vous dire que ça envoie. Voilà, c'est pas comme Gate où tu vois jamais les bombes fois 100, fois 500, tout ça. Celle-là, elle est capable d'envoyer. Hein. Allez, faut des bombes. Faut des belles bombes. Donc là, vous voyez le multi à droite hein, qui augmente à chaque connexion, mais qui augmente aussi grâce aux bombes. Et c'est ça le plus important, c'est d'avoir des bombes parce que ça augmente largement plus rapidement. Surtout que les connexions payent pas grand chose sur cette machine. Comme vous pouvez le voir là, on a fait des millions de connexions, on est qu'à 7 euros en haut. Donc faut vraiment avoir un très gros multi si on veut espérer être payé. Attends là, par contre, belle bombe qui tombe. Ah, dommage, hein. x15, on prend quand même 150 euros. On a fait y avoir Retrig aussi, Retrig c'est 5 spins, les gars. Donc ça aide, hein. Sur une machine à setup comme ça, ça aide beaucoup. Allez, on n'a pas de bombe. Où sont les bombes? Les cœurs qui sont le meilleur symbole. Dommage. Allez, 3 spins. 3 spins, ça va être dur, hein. Il nous faut une bombe. Mais elle m'a déjà fait des dingueries sur les derniers spins. Donc je sais qu'elle en est capable aussi. Hein. Je sais qu'elle en est clairement capable de nous faire une petite dinguerie dernier spin. Ok. Dommage. Allez, dernier spin. Petite dinguerie. Ça va être dur. Hein. À moins qu'une grosse bombe tombe avec les roses. Une grosse bombe tombe avec les verts. Une grosse bombe tombe avec les bleus. Une grosse bombe tombe avec les jaunes. Ah non, même la fois 5 elle connecte pas. Dommage. Ok, ça va. En vrai, ça va. On a eu des bonus pires sur d'autres machines. Franchement, je trouve qu'on s'en sort bien. Bonus à 560. On va voir ce que ça donne. J'espère pas mal quoi. Par contre, une chose sur cette machine les gars, faites gaffe quand vous la spinez si jamais vous voulez la spin. Parce que Adèle a fait deux sessions entières dessus. Donc c'est à dire, il y avait un start 1500 euros. Il a dépensé les 1500 euros une première fois. Il l'a refait encore une fois avec 1500 euros. Et il n'a pas touché un seul bonus les gars en 1500 spins. Voilà, donc faites très attention. Après je dis pas que vous allez pas le toucher les gars, je dis juste faites attention, c'est très dur de le toucher. Après, à tout moment, vous êtes chanceux. En 100 spins, vous en avez 4 des bonus. Hein. Ça ne veut rien dire, mais voilà. Je préfère vous alerter. En tout cas, j'aime bien le potentiel. En achat, je trouve elle est cool. En spin, elle est capable de faire des base games. Mais si elle pouvait donner un peu plus le bonus, ce serait magnifique. Ce serait une machine de fou. Bon, là, par contre, je suis en train de lui chanter ses louanges. Mais au final, on se fait... décapité dessus là. 76 euros, c'est quoi cette honte là? Allez, 600 euros dans ta gueule. On va voir si tu fais la maline là encore. Hein. Allez, envoie-moi une grosse bombe là. On n'a pas eu encore une grosse bombe. Ok, il y a les violets, il y a les roses, il y a tout. Je m'inquiète pas. Maintenant, il nous faut des bombes. Bombe, bombe, bombe. Allez, bombe dès le début. C'est trop important d'avoir un setup dès le début. Parce que la x4, bon. Tant te dire qu'on ne sera jamais payé.
Rétrigue aussi, ça peut être pas mal. 5 spins en plus. Dommage. Allez, montre-nous des bombes, là. Elles sont où, les bombes? Rétrigue. Ok, putain, j'ai cru que c'était pas Rétrigue, j'ai eu peur. Hein. Il a mis longtemps à s'afficher, le con, j'ai eu très peur. Ok, bombe fois 5 qui explose. Une bombe avec les bleus. Dommage. Allez, plus que x5, s'il te plaît. Une fois 20... x50, c'est possible, x50 aussi, hein. Ok, on est en x20, il nous reste 10 spins. C'est comme si on venait de commencer le bonus et on était déjà en x20, donc c'est pas mal, en vrai. Et surtout que là, il va nous donner une bombe x500 derrière, là. Derrière ce spin, je le sais très bien. Ouh, les bleus, un bleu. Ok, pas mal, les bleus, ça paye, bon. 1,80€, ça paye, on va dire. Les jaunes, peut-être, ça va être dur, hein. Oh, en plus, il y avait une bombe, dommage. 172€ sur ce spin, il nous reste 9 spins. Franchement, on est plutôt pas mal, hein. On n'a pas à se plaindre. Allez. Oh non, bleu, rose, violet, comment tu me connectes pas tout ça? C'est n'importe quoi, là. C'est du grand n'importe quoi, hein. Ok, les verts, les bleus, tous les bleus, les violets peut-être. Ah, les cœurs aussi, les cœurs seraient bien de les connecter, hein. Les cœurs, ça fait combien? 3,60€, donc deux fois... Oh, fois 50, ok. Enfin, enfin, on a une belle bombe. Allez, c'est maintenant. Il faut enchaîner les connexions maintenant, hein. Tu m'enchaînes les connexions et on part sur un bonus de ouf, hein. Il nous reste 5 spins. Oh, allez, s'il te plaît, 5 spins en fois 79. Déconne pas, gros, qu'est-ce que tu fais? Arrête tes couilles! Qu'est-ce qu'elle nous fait, la conne? Oh non, j'y crois pas, elle va nous faire que des spins jusqu'à la fin. Ok, ça connecte au moins, pas mal. Encore? Ah, elle a troll, hein. Franchement, elle a troll. Franchement, elle a troll. Bah écoutez, les gars, pour la peine, je vais lui envoyer un dernier bonus. Et on s'arrêtera là-dessus, hein, parce que bon. Elle nous a quand même bien arraché la gueule. Allez, bonus à 800 balles. C'est parti, bonhomme! Let's go! Ok. Allez, des bombes. Un max de bombes, on est à 8€ quand même le spin. Envoie-nous tout ça là. x10, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et bleu. Non, même pas. Ok. Allez, bombe x100 là. Ouais, il y a les verts peut-être derrière. Ok, les autres verts du coup. Les verts meilleurs. Ok, pas mal avec une bombe. Encore, les roses, les étoiles roses seraient pas mal, hein. Je pense que c'est un bon. Ah, dommage. Ah ouais, c'est le troisième meilleur, hein, quand même, hein, les étoiles roses, hein. Ok, 200€ de récupérer, x27. Pas le multi de l'année, mais on peut s'en sortir avec ça. Ok. Bien, bien, bien. Mais encore, les violets. Ok, avec une bombe maintenant. Évidemment, la bombe qui ne pète pas. S'il n'y a pas de connexion, les gars, la bombe ne pètera pas, malheureusement. Ah, il se plaît. Ça va être dur, hein. Ça va être très dur. À moins qu'il rétrigue là. Aïe, 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 aïe. Bon, dommage. Écoutez, les gars, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, l'équipe.